Bonjour, bonsoir, donc ça dépend là où vous êtes. Je viens encore avec une vidéo. Donc, normalement, je refais la même vidéo, mais en deux phases, si vous voulez, quoi, avec du persil. Donc, c'est pour si vous avez, c'est une vidéo qui avait dit que si vous avez un jour ou deux jours de retard, vous pouvez faire, vous pouvez prendre du persil frais. Donc, vous prenez du persil frais que vous allez faire bouillir pendant 5 bonnes minutes, et vous allez mettre du miel dedans et boire à jeun. C'est mieux de boire ça à jeun, matin, midi, soir. Je dis bien si vous avez de retard, je ne parle pas de grossesse, je parle ici de retard d'un jour ou de deux jours. Vous allez prendre du persil frais que vous allez faire bouillir pendant 5 bonnes minutes. Vous allez boire ça à jeun, donc mettre une cuillère à café. Ou qu'une cuillère, prenez même une cuillère de miel, mettez dedans, dans un verre, mettez ça dans un verre, prenez un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Bon, maintenant, ça c'est une vidéo que c'est une fille qui a proposé cette vidéo. Donc, elle dit qu'elle a les cailloux dans le sang. Quand vous avez le caillou dans le sang, c'est ça qui cause même les règles douloureuses, quoi. Moi-même, je ne savais pas ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a vraiment un bon bout de temps, si je ne me trompe pas. Oui, je confirme que parce que j'ai plusieurs vidéos qui parlent des règles douloureuses. Si vous buvez ça régulièrement, vraiment, vous n'aurez pas les règles douloureuses. Parce que quand le sang est coagulé, c'est en sortant, alors c'est ça qui fait vraiment très mal dans le bas-ventre. Mais là, je sais que ça sera vraiment très difficile si vous êtes en Europe, là où il n'y a pas de feuilles de papaye. Et cherchez un peu les feuilles de papaye, ça c'est ça ici, là, que j'avais, moi j'utilisais ça beaucoup, que j'en ai encore besoin. Ça c'est vraiment très bien pour les maux de tête. Si vous avez les maux de tête, vraiment c'est très très bien. Vous prenez ça, vous faites bouillir ça. Vous mettez du miel dedans. Une cuillerée en miel, donc dans un verre, quoi. Dans un verre, quoi. Vous allez boire ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir, avant vos règles. Pour que le sang ne coagule pas, quoi. C'est ça, parce que si vous buvez ça régulièrement, quand vous êtes proche de vos règles, vraiment, vous serez soulagé. Parce que quand le sang coule normalement, quand vous n'avez pas coagulation, si vous voulez, de sang. Donc, vous réglez normalement, vous n'avez même pas mal. Moi, je vous dis que j'ai fait ça. Donc, ça, je confirme ça. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Je confirme ça. Si vous buvez ça, chaque fois que vous voyez que vous allez régler pendant dans une semaine comme ça, buvez ça. Buvez ça tout le temps, vous allez venir me confirmer ça. Dites-moi si vous avez vraiment. Parce que ça marche sur tout le monde. Sauf si vous n'avez pas les feuilles de papaye. Donc, je reprends. Donc, si vous avez un retard d'un jour, je dis bien, je ne parle pas de grossesse, je dis bien un jour ou deux jours, faites bouillir les feuilles du persil. Faites bouillir du persil frais pendant au moins 5 minutes. Filtrez dans un verre. Mettez une cuillerée à café, à du miel. Mettez une cuillerée du miel pour que vraiment ça agisse très bien. Mettez une cuillerée du miel. Buvez ça à jeun, ça va marcher. Quand ça à jeun, ça marche bien. Matin, midi, soir. Il faut que ça soit un peu tiède. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Faites ça. Je ne parle pas de 3 jours, de 4 jours, de 5. Parce que si vous faites ça après et que ça marche, tant mieux pour vous. Mais si ça ne marche pas après les 2 jours que je vous dis là, c'est pas. Donc, ne venez pas m'accuser, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres filles ça, je ne conseille pas, je ne conseille à personne, mais je vous dis quand même, il y a d'autres filles qui font ça en boule. Les feuilles de persil, là, elles font ça en boule et elles mettent ça dans leur Jessica. Bon, moi, je ne conseille pas ça parce que c'est fragile, hein. Après, vous allez avoir vraiment, je pense que beaucoup plus mal que. Parce que le persil, là, c'est quelque chose qui filtre aussi le sang. Ça nettoie très bien le sang. Si vous faites ça et que vous buvez même ça là, comme j'ai dit, pour ne pas avoir les cailloux de sang, buvez les feuilles de papaye avant vos règles, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ça soigne aussi les maux de tête. Les feuilles de papaye soignent beaucoup de choses, même le fibron. Ça soigne le fibron, mais il faut mélanger ça avec l'ail.
L'ail, oui, pour purger tout le temps, si c'est vraiment au début, mais si c'est ça a déjà pris d'ampleur, comme ma part, ce qui avait déjà fait 5 ans sans que je ne sache, là, ça devient vraiment autre chose. Moi, je vais aller au Cameroun pour que vraiment je sois guérie, je pense bien. Voilà ma vidéo. Donc, si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez ajouter. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser parce que là, je vais vous répondre. Vous pouvez vraiment vous abonner. Moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.